Salut, c'est quoi de neuf? J'espère que vous allez très bien ou que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité, à l'approche de l'allocution du président de la République face à ses concitoyennes et des deuxièmes phases de déconfinement en France. La pression commence à peser sur les épaules du dernier ministre Jean Castex. Certains observateurs pensent avec raison que si les mesures à venir échouent deviennent trop compliquées, ce sera la faute du chef de gouvernement. Et cela impactera sensiblement et directement l'avenir d'Emmanuel Macron. Les critiques fusent de toutes parts et les membres du gouvernement sont pointés de doigts. Et si les locataires de Matignon assurent voir rien en foutant en privé, la grande marque de soutien qu'il vient de recevoir de la part de Richard Ferrand a dû lui faire de bien. Dans une interview accordée au Figaro ce samedi 21 novembre, le président de l'Assemblée nationale et député LREM de Finistère a confirmé que Jean Castex, resté l'homme de la situation, est à louer sa capacité à encaisser les critiques. Il fait preuve d'abnégation face aux critiques sauf ridicules et parfois excessives. Il y oppose de sang-froid et, disons-le, une forme d'indifférence protectrice. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, estime également que dans le contact direct, le Premier ministre est un homme engagé et profondément humain, simple et intensément convivial, est à l'écoute face à une situation d'urgence sanitaire. Le conseiller régional de Bretagne ne semble pas dérangé par l'aspect remarquable, franc de couloir de la personnalité forte du chef de gouvernement. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.